Salut tout le monde, c'est Zederka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite avec le plus gros du mode virée urbaine. Alors pour le réaliser, il y a deux façons. La première est au tout début de la carte. En fait, dans la première descente, il y a un trou qui mène dans des égouts. Et la première façon de sortir de la carte, c'est en allant à la fin de ce passage secret. Et juste avant de retourner sur la piste pour aller à la deuxième pente, et ben là vous devrez vous retourner et là vous pourrez y voir qu'il y a un petit passage dans lequel on peut passer, ce qui nous fait sortir de la carte et nous laisse tomber tout en bas. Et c'est là où déjà là on peut s'apercevoir que la carte de base a été créée sur le bloc. Et arrivé à ce moment là, et ben vous pourrez explorer tous ces endroits qui ne sont normalement pas accessibles et on peut vraiment voir l'envers du décor avec tous les petits détails, etc. Mais le plus ouf dans ce glitch, c'est qu'on peut atteindre des points en illimité en allant à cet endroit de la carte, donc c'est vraiment à la fin du parcours. Et là, en mettant une répulsive à vos pieds, et ben ça vous propulsera sur un espèce de bâtiment. Et là, vous pourrez y voir une voiturette de golf dans cette carte. Alors ça n'a aucun rapport, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais Epic Games ont bien mis ce véhicule de golf dans la carte, avec même des notes de musique juste à côté, enfin c'est assez bizarre. Et en fait, là, le principe, ce sera de rentrer dans cette voiturette et de jeter des répulsives dessus pour faire en sorte de la sortir de son spawn. Et après avoir bien spammé les répulsives, normalement, au bout d'un moment, la voiturette se fera propulser et là, bah, vous l'aurez sur la carte du bloc. Et donc, maintenant, pour avoir des points en illimité, il faut simplement jeter des répulsives, encore une fois, sur la voiturette de golf, ce qui la fait propulser en l'air. Et tous les points que vous allez obtenir avec les figures que vous allez faire, et ben ils seront comptés dans les scores du mode virée urbaine. Et du coup, on peut atteindre plusieurs millions de points de score, alors que normalement, on atteint les 200 voire 300 points. Et pour ceux qui me demanderaient s'il y a des risques de bannissement en faisant ce glitch, perso, je pense qu'il n'y en a aucun, parce que dans ce mode, les top 1 ne comptent pas, parce qu'on est en mode créatif. Et qu'en plus de ça, en arrivant à la première place, on n'y gagne rien, vraiment. Il n'y a aucun défi où le principe est de remporter la partie, il n'y a aucun bonus d'XP, donc vraiment, on n'y gagne rien à être premier dans ce mode, à part de voir son pseudo à l'écran. Après, il faut savoir que j'ai trouvé une deuxième façon de sortir de la carte, qui se trouve dans le deuxième endroit secret, qui est encore une fois les égouts, et arrivé à la fin de celui-ci, et plus particulièrement à cet endroit, et ben comme le précédent, vous devrez vraiment ralentir pour vous arrêter. Et pour cet endroit, le principe sera de se propulser avec la répulsive en arrière, en sautant arrivé contre le mur, ce qui vous propulsera un peu en l'air. Et là, et ben vous allez sortir de la carte par le plafond. Et ce qui est bien avec cet endroit, c'est que c'est juste à côté de la voiturette de golf. Donc au moins, si vous ratez le premier endroit secret où il y a le premier glitch, et ben vous aurez une deuxième chance en allant à celui que j'ai trouvé et que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et voilà, je pense à peu près avoir tout dit pour cet énorme glitch assez what the fuck. Au passage, faites attention à ne pas forcer comme moi en essayant d'aller le plus haut possible avec la voiturette de golf, parce que j'ai atteint la limite et ça m'a tué. Et n'oubliez pas de finir vos défis avant que ce mode de jeu soit retiré de Fortnite, c'est-à-dire dans 3 jours. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo de glitch sur Fortnite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de me soutenir dans la boutique avec mon code créateur ZRK. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde!